Bonjour, bonjour, bonjour. Je me suis connectée une minute à l'avance pour donner le temps aux gens de se connecter au fur et à mesure et pour que je puisse aussi partager sur ma propre page. Donc, bienvenue à ces lives. C'est la première fois que je suis live sur le groupe de Ho'oponopono France. Merci beaucoup, Fabrice, pour m'avoir donné l'opportunité de pouvoir répondre aux questions des membres du groupe. Donc, j'espère que vous allez vous connecter pour qu'on puisse interagir et en même temps ben, que je puisse répondre à vos questions. Parce que s'il n'y a pas de questions, ben, je ne verrai pas vraiment le live aura pas lieu. Donc, je vais juste vous donner quelques instants pour que vous puissiez vous connecter. Dites-moi si le son est correct, si vous m'entendez bien. Je vais peut-être, en attendant que les gens se connectent, vous mettre une petite chanson de Ho'oponopono. Peut-être que vous la connaissez déjà. C'est une chanson, moi, qui m'apporte énormément. C'est une chanson que j'écoute quand je sens ce besoin de quiétude, de tranquillité. C'est une chanson qui vient vraiment, vraiment me calmer. Donc, vous pouvez la chercher sur YouTube. C'est Ho'oponopono, la chanson ou The Song Ho'oponopono. Donc, je suis en train de la chercher ici. C'est Ho'oponopono Song. Puis, je vais vous la faire écouter en attendant que les autres personnes se connectent. Si vous venez de vous connecter, vous pouvez faire un petit coucou. D'où vous vous connectez actuellement. Et sachez que ceci, c'est vraiment un live que je fais pour pouvoir donner l'opportunité à des gens de poser des questions, que ce soit que vous venez de commencer dans la technique, dans la pratique de Ho'oponopono, ou que ça fait longtemps que vous le faites. Des fois, c'est important de se faire rappeler les bases du Ho'oponopono. Souvent, on a des questions concernant les conflits, que moi j'appelle des défis qui arrivent dans nos vies. Donc, ne soyez pas gênés de tout simplement me laisser vos commentaires, vos questions. Il y a déjà une question, mais je vais attendre peut-être un petit peu là, qu'on soit peut-être un petit peu plus pour pouvoir commencer à répondre à vos questions. En attendant, je vais vous mettre la chanson pour que vous puissiez écouter. Bonjour Sylvie, merci d'être là. Vous avez peut-être déjà entendu cette chanson. C'est The Ho'oponopono Song. Comme je disais, c'est une chanson qui m'apporte énormément de quiétude et de paix. Donc, la voici. Dites-moi si vous l'entendez bien. If you could design your Bon, life ça, c'est pas ça exactly parce the que way ça, you c'est want les it to be, annonces, what would malheureusement, that qu'il y look a like? tout le temps sur YouTube. Donc, et voilà. Dites-moi si vous entendez bien. Ça, c'est vraiment le temps. Je vais donner le temps de la chanson. Après, on commence avec les questions et les réponses. Écrivez vos questions et je vais y répondre.
Bonsoir, bonsoir Ella, bonsoir Caroline. Bon, voilà, je vais baisser un peu le volume. Je voulais vous faire écouter la chanson ben, pour donner le temps aux gens qui se connectent. Donc, je tiens à saluer ben, les personnes que je peux voir actuellement connectées, Sylvie, Caroline, Ella, Coco. Merci de vous joindre à nous. Pour les autres personnes qui sont connectées, tout simplement, nous dites d'où vous vous connectez, juste pour qu'on puisse interagir entre nous. Et ceci est vraiment, moi je veux que ça soit un live interactif. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne veux pas que ce soit moi qui va parler vraiment. Ça va être vraiment répondre à vos questions. Donc, toute question que vous avez, des questions que vous posez au niveau du groupe, des questions spécifiques que vous avez concernant un conflit, quelque chose qui est en train d'arriver dans votre vie, je suis là pour vraiment répondre à ces questions-là du mieux de mes connaissances. Mon nom, c'est Jasmina Capellan. Je suis praticienne Ho'oponopono depuis plusieurs années. Ho'oponopono, en fait, pour ceux qui voudraient en savoir un peu davantage sur moi, moi, je peux dire que Ho'oponopono m'a sauvé la vie. M'a sauvé la vie parce que la technique est arrivée à moi à un moment où est-ce que j'en avais le plus besoin. C'était lors d'une dépression. Je vivais une dépression suite à une séparation et j'avais perdu vraiment le goût à la vie. J'avais perdu toute connexion extérieure. J'étais enfermée dans ma chambre. Je sortais parce que je devais travailler. J'ai perdu à peu près 20 livres en dedans de 2 semaines. Et la seule chose qui me gardait vraiment connectée à la réalité, c'était mes enfants. Et c'est en voyant leur souffrance que je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je trouve une solution. Et je me suis endormie cette soirée-là en pleurant et en demandant à je demandais à l'univers, à Dieu, de pouvoir m'aider, de m'aider à trouver une solution, à m'en sortir dans ce trou noir où je me trouvais. Et quelques jours après, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo où est-ce qu'il y avait ma belle Kat qui expliquait le Ho'oponopono. Ça m'a intriguée. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Regarde, je demande de l'aide à l'univers. Voici ce que je reçois. J'ai rien à perdre. Et j'ai commencé à mettre en pratique la technique. J'ai commencé tout simplement à répéter. Je suis désolée, merci, pardonne-moi, je t'aime. J'ai utilisé aussi la technique du verre d'eau. Et j'ai commencé moi-même à essayer de trouver des informations sur le Ho'oponopono. J'ai lu plusieurs livres, j'ai suivi des cours, j'ai été à des séminaires. Et après un certain temps, ben, t'sais, j'aidais les gens avec le Ho'oponopono, comment je les aidais. Mais t'sais, je faisais juste dire, ben, t'sais, comme il y a 4 phrases qui pourraient t'aider,
Puis les gens, ils aimaient ça. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai décidé de me certifier puis de vraiment aller là-dedans. Donc, c'est pour ça que je fais partie de ces groupes. J'essaie de participer le plus souvent possible quand il y a des questions et ces choses-là et répondre au meilleur de mes connaissances. Parce que je suis toujours en apprentissage. On apprend toujours, toujours. Puis à chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui surgit et il faut tout simplement continuer à nettoyer, 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 nettoyer. Donc, comme je disais au départ, comme je disais au début, ceci est vraiment un live interactif. Je n'ai pas l'intention de tout simplement être ici devant vous et commencer à parler, 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 parler. C'est vraiment que, moi, ce que je m'attends de vous qui regardez, c'est que vous posiez des questions et que je puisse répondre à ces questions-là par rapport à mes connaissances. Pour finaliser un peu mon récit, suite à avoir commencé à pratiquer le Ho'oponopono, 2 semaines plus tard, ma vie commençait à changer. J'ai retrouvé l'envie de rire, j'ai retrouvé la joie de vivre. Et moi, je dis que c'est vraiment le Ho'oponopono qui m'a permis. Dieu l'a mis dans mon chemin, l'univers, peu importe quelles soient vos croyances. C'est cet être supérieur qui l'a mis dans mon chemin pour que je puisse pouvoir cheminer là-dedans et apprendre et à grandir. Aujourd'hui, cette séparation qui était un des moments les plus douloureux de ma vie, je le vois aujourd'hui comme quelque chose qui était nécessaire, comme une bénédiction, comme un apprentissage qui m'a permis de me transformer, de changer et d'être ici aujourd'hui devant vous, de vous partager mon expérience et de pouvoir être aussi une contribution pour vous. Donc, j'attends vos questions. Sans vos questions, le live sera très, très court. Donc, ne soyez pas gênés et peu importe ce que ce soit des questions au niveau de la technique, que ce soit, je peux même faire un peu de coaching si vous voulez, je veux dire, si vous êtes prêt à partager ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, je vais essayer de mon mieux de pouvoir vous aider, vous guider là-dedans. Puis, sachez que on est actuellement 22 personnes qui sont en train d'écouter ce live, qui sont là avec moi. Sachez que quand on nettoie, étant donné on est ici, on est en groupe, ça se nettoie pas seulement chez moi, ça va se nettoyer en tout et partout, avec vous aussi. Puis on est 22, mais c'est pas pour 22 personnes qu'on est en train de nettoyer. On est en train de nettoyer vraiment pour toutes nos générations, à chacun de nous, parce qu'on est tous connectés d'une façon et d'une autre. Donc, je nettoie, tu nettoies, et on fait une espèce de chaîne mondiale pour pouvoir apporter la paix au niveau de notre bel univers, la paix, la tranquillité, l'harmonie. Donc, il y a Ella qui a une question. Elle dit, quels sont les outils de nettoyage à part la technique du verre d'eau et des 4 mots? Merci beaucoup, Ella, pour ta question. Je suis désolée, ma caméra, elle a bougé. Je vais essayer aussi de vous lire ici mon laptop parce que des fois, les questions se perdent assez rapidement. Donc, il y a plusieurs, je ne sais pas si tu as déjà, je pense que sur le groupe, il y a Fabrice aussi qui a mis dans la section des fichiers, il y a des livres, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez aller chercher concernant la technique. Ça, c'est dans la section des fichiers. File en anglais. Vous pouvez aller voir, il y a des écrits, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider pour ceux qui commencent là-dedans. À part le verre d'eau, la technique du verre d'eau et les 4 mots, il y a d'autres mots qui existent pour le Ho'oponopono. On appelle ça en espagnol, c'est palabra gatillo. En français, je pense qu'on les appelle des mantras, mais je ne suis pas certaine c'est quoi le mot en français. Il y en a plusieurs. Il y a, par exemple, le mot colibri. Colibri, je pense en français, c'est la même chose. C'est le petit mini oiseau qui bat des ailes très, très, très rapidement. Celui-là, on l'utilise pour attirer tout ce qui est côté financier, l'argent et tout ça. On répète de la même façon que je suis désolée, merci, pardonne-moi, je t'aime. On peut répéter le mot colibri. Il y en a plusieurs mots, vous pouvez mettre sur Google, vous pouvez mettre les mots. OK, c'est ça. Palabras gatillos, c'est ça, c'est des mots déclencheurs. Merci beaucoup, Majestic. C'est ça, vous pouvez mettre sur Google un exemple, les mots déclencheurs Ho'oponopono, et vous allez avoir tous les mots que vous pouvez utiliser pour des situations spécifiques. Moi, je les connais par cœur en espagnol parce que je pratique, comme je vous dis, quand que je fais des vidéos, quand je fais des séances et tout ça, des ateliers, ce que je fais, c'est vraiment comme plus en espagnol qu'en français. Fait que c'est pour ça qu'il y a des fois des mots que je veux pas, que je veux pas nécessairement connaître en français parce que je suis pas habituée.
Ensuite de ça, vous avez aussi Fleur de Lys. Fleur de Lys, c'est un que ma belle Kat, elle utilise beaucoup. C'est vraiment, si vous avez, s'il y a une situation, que ce soit des guerres, que ce soit des conflits, un problème dans la famille, vous pouvez dire, je mets la Fleur de Lys sur cette situation. Puis oui, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à la divinité de changer, de transformer, de transmuter tout ce qui se passe au niveau de cette situation-là. Il est important que je vous rappelle que lorsqu'on pratique le Ho'oponopono, il faut le faire sans attente. Il faut vraiment lâcher prise. Puis ça, c'est une des choses que, ou une des erreurs les plus fréquentes, où est-ce que les gens me disent, Jasmina, mais tu sais, ça fait un mois que je fais Ho'oponopono et je pratique les quatre mots tout le temps, mais il n'y a rien qui change. Mais il faut savoir quelles sont vos pensées quand vous le faites. Est-ce que vous le faites parce que vous voulez obtenir un résultat ou vous le faites parce que vous voulez tout simplement la paix, la tranquillité, peu importe le résultat que ça va apporter. Donc ça, c'est super important. Je vais continuer. Il y a aussi une autre technique, c'est aussi la technique de l'os de la risée. L'os de la risée aussi, c'est un autre outil que vous pouvez faire pour le Ho'oponopono. C'est vraiment une bouteille, il faut qu'elle soit bleue, une bouteille bleue, que vous allez mettre au soleil, vous la remplissez d'eau du robinet, vous la mettez au soleil pour une heure environ. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que cette eau-là va recevoir, je veux dire, à partir des rayons ultraviolets qui vont rentrer, qui vont pénétrer dans la bouteille à partir du bleu. En tout cas, c'est vraiment chimique, c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs vidéos aussi sur YouTube par rapport à ça. Puis cette eau-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle se purifie. Le docteur Hialaka Lahiulen, celui qui a comme popularisé vraiment le Ho'oponopono, lui, il dit que c'est une eau qu'on peut utiliser vraiment pour tout ce que toi tu utilises dans ton jour pour jour ou est-ce que tu as besoin d'eau. Tu peux utiliser cette eau-là. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je prépare mon eau. Un coup qu'elle est préparée, je la transmets, tu sais, comme je mets des gouttes ou peut-être un petit coup dans de l'eau que je bois, dans qu'est-ce que je cuisine, dans mon ménage. Tu peux la mettre aussi dans un petit, pas un bol, mais une petite bouteille avec un spray et tu peux le spray sur toi quand tu as un meeting, quand tu vas quelque part, quand que tu sors, puis que tu es comme, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Tu l'as tout le temps dans ta sacoche et tu te mets cette eau-là, fait que tu permets, tu t'en vas comme toute nettoyée, tu t'en vas pour, c'est une eau qui peut t'aider pour la perte de poids. En tout cas, il y a beaucoup de choses pour lesquelles cette eau-là, elle peut t'aider. Je vais voir si les autres questions... Un instant, je vais... OK, ici, donc, c'est ça. Il y a plusieurs, c'est pas juste les quatre mots. Là, il y a beaucoup de choses au niveau du Ho'oponopono qu'on peut qu'on peut mettre dans nos vies. Je suis vraiment désolée, hein, parce que moi, je pense en espagnol, ça se traduit en français, puis j'ai aussi de l'anglais dans ma tête. Fait que ça se peut que parfois, je vais vous dire des mots qui n'existent même pas. C'est du capellanisme. Mon nom de famille, c'est Capellan. Fait que j'appelle ça du capellanisme. Fait que j'ai aussi... Majestique a dit mémoire collective. Comment nettoyer quand on voit qu'il y a des mauvaises nouvelles dans les réseaux sociaux, par exemple? Ça, c'est une super bonne question, Majestique. Merci de l'avoir posée. Quand on est devant la télé, moi, j'ai arrêté d'écouter la télé. J'écoute pas vraiment des nouvelles, mais quand on est en présence des nouvelles ou des choses qui nous impactent, tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment le « je suis désolée, merci, pardonne-moi, je t'aime » parce que rappelons-nous que c'est nous qui créons ce qui est extériorisé. Fait que si ça s'efface en moi, ça va s'effacer partout ailleurs. C'est pour ça que je dis si tout le monde se concentrait à nettoyer pour soi, imaginez l'impact qu'on peut avoir au niveau de la planète. Pourquoi? Parce que si ça s'efface de moi, ça s'efface ailleurs. Et ça crée une chaîne. C'est pour ça que la paix commence avec moi. Quand on dit ma belle Kat, elle répète ça souvent, la paix commence avec moi. Et comment est-ce que je peux apporter la paix pour moi? Mais c'est en étant en paix moi-même. Donc, c'est comme ça, si toi, tu es sous les réseaux sociaux. La bouteille, le verre d'eau, là, pas le verre d'eau, mais l'eau solarisée que je viens de vous parler, super, super pratique pour quand on est sur les réseaux sociaux. Quand tu es sur les réseaux sociaux, prends-toi une gorgée de cette eau-là, puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va purifier, ça va aider à nettoyer ses mémoires pendant que toi, tu y penses pas, parce que t'es en train de faire des choses, de faire des recherches, de lire des articles ou des choses comme ça. Fait que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations que nous autres, on reçoit via les réseaux sociaux, qui impacte d'une façon notre vie. Donc, c'est pour ça qu'il est important que, aussitôt que vous êtes sur les réseaux sociaux, faites un rituel de faire du nettoyage pendant que vous y êtes.
Ayez une fenêtre ouverte avec les quatre mots pour que quand que vous regardez de ce côté-là, ça va venir inconsciemment vous rappeler des quatre mots, vous vélo-zolariser. Ça peut beaucoup aider quand que vous êtes sur les réseaux sociaux pour ne pas prendre pour nettoyer les mémoires, tout simplement, pour continuer en constance à nettoyer les mémoires. J'ai Sab qui nous questionne, elle nous dit comment nettoyer quand toute la journée, il se passe des tuiles dans... des tuiles dans sa vie. Moi, je te dirais, c'est vraiment de continuer à nettoyer en constance. Ce qui se manifeste dans notre vie, ce qui arrive dans notre vie, tout est une création de nos pensées. Ça vient de nos mémoires. Nous, on est des êtres parfaits. Ce qui fait de nous des êtres imparfaits, puis c'est ça des fois qui est comme un peu difficile à comprendre au niveau du Ho'oponopono quand on commence dans cette philosophie, dans cet style de vie. Moi, pour moi, c'est un style de vie, c'est plus une technique, c'est plus une pratique, c'est vraiment un style de vie que j'ai adapté. C'est vraiment de voir toute chose qui arrive dans notre vie comme une opportunité. Donc, ceci vient de se présenter dans ma vie, c'est que Dieu, l'univers, peu importe quelles soient vos croyances, va venir les rendre présentes dans ta vie pour que tu prennes conscience de son existence et que tu puisses dire « Ok, c'est quelque chose que je dois nettoyer » et continuer à « Je suis désolée, merci, pardonne-moi, je t'aime. » Il n'y a pas justement au niveau de la pensée. Moi, ce que je fais souvent, quand je suis au téléphone, quand je suis avec un client, quand j'ai la possibilité que j'ai les mains libres, ce que je fais, c'est que je vais être en meeting, peu importe ce que je fais, j'ai toujours un crayon et du papier ou un cahier. Et je suis toujours en train d'écrire « Je suis désolée, merci, pardonne-moi, je t'aime ». Des fois, je suis en meeting, puis là, les gens, ils me disent « Oh mon Dieu, elle prend beaucoup de notes ». Je ne suis pas en train de prendre des notes, je suis en train de nettoyer par rapport à ce qui se passe autour de moi. Donc, c'est vraiment la constance, de le faire tout le temps. Et vous allez me dire « Mais oui, Jasmina, mais je ne peux pas nettoyer 24 heures sur 24 ». C'est pour ça qu'il y a le verre d'eau. C'est pour ça qu'il y a l'eau solarisée. Puis, il va arriver un moment dans votre vie que vous allez tellement le répéter que ça va se faire inconsciemment. Puis c'est ce qui arrive actuellement, c'est que des fois, je le fais même sans m'en rendre compte. Je suis en train de répéter, là, je suis désolée, merci, pardonne-moi, je t'aime. Je suis dans le trafic, je suis en train de dire merci, 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 merci. Et pouf, tout d'un coup, le trafic, il s'ouvre devant moi. Encore, super important. Le faire sans attente, le faire tout simplement pour retrouver cette paix intérieure. Peu importe quel soit le conflit, peu importe que ça soit avec vous, avec quelqu'un d'autre, simplement on le fait pour être en paix. Peu importe le résultat, peu importe ce qui se passe derrière nous. Donc, je vais juste continuer à descendre ici au niveau des questions. J'ai Coco qui nous demande, s'il vous plaît, pour un seul problème précis qui me préoccupe. Combien de jours dois-je pratiquer la technique du verre d'eau d'avance? Merci de votre réponse. Coco, c'est une question qui revient très souvent. Souvent, les gens ils vont me dire « Oui, mais je vais le faire pendant combien de temps? » Et là, déjà, le fait que tu veuilles que ça se passe à un temps précis, il y a une attente. Donc, on le fait, encore une fois, sans attente de résultat. Puis, tu vas me dire « Ouais, mais sans attente de résultat, tu sais, c'est pas facile, on le fait parce qu'on veut un résultat. » Oui, c'est certain qu'on veut un résultat, mais rappelez-vous, quand nous autres, on nettoie, on le fait pour donner à la divinité la permission d'effacer en nous ce qui nous limite. Souvent, celui qui va vouloir le résultat, c'est notre ego. Et souvent, la divinité, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir nous apporter ce qui est nécessaire au niveau de notre développement et de notre croissance. Nous, on va le voir comme des problèmes. Nous, on va le voir comme des conflits. Mais c'est souvent ces choses-là qui sont nécessaires pour qu'on puisse continuer à grandir dans notre expérience terrénale. Donc, dans ce corps que nous habitons. Mais au-delà de ce corps, il y a déjà cette intelligence qui sait beaucoup plus que nous. Nous, celui qui veut avoir raison, celui qui veut avoir des résultats dans un délai X, Y, c'est notre ego. C'est cette partie de nous qui pense qu'il connaît tout, mais en fait, ne connaît rien. Donc, le Ho'oponopono, dans Ho'oponopono, quand on dit pratiquer le lâcher-prise, c'est ça. C'est de le faire
peu importe le résultat, savoir qu'on est en train de nettoyer, même si on ne sait pas c'est quoi les mémoires qu'on est en train de nettoyer. Parce que ce n'est pas important de savoir qu'est-ce qu'on est en train de nettoyer et on ne le saura jamais. Seule la divinité en nous sait ce qui est parfait pour nous. Donc, j'espère que cela a répondu à ta question, Coco. On a Fabienne aussi qui nous dit « Je suis attirée par cette méthode, mais je ne connais pas trop. J'ai besoin de lâcher prise. » En fait, Fabienne, la méthode, tu questionnes s'il y a un livre à conseiller. Oui, il y a le livre. Je vais répondre à ta question du livre. Après, je vais répondre un peu à ce que tu questionnes. Il y a le grand livre du Ho'oponopono aussi. Ça, c'est un très bon livre qui va te donner des explications vraiment de base. Il y a le livre aussi du Chemin le plus facile de Mabel Katz. Il y a des membres du groupe qui postent aussi des livres. Il y a des livres qui sont gratuits, qui sont sur ce même groupe. Si tu vas dans la session de fichiers, tu vas trouver qu'il y a des livres qui pourraient vraiment t'aider, dont le grand livre de Ho'oponopono. Je viens d'écrire un livre aussi, il n'est pas encore en espagnol, en français, il est juste en espagnol, par rapport à la technique. Il va être en français dans les mois à venir. Il y a aussi un livre de Le Cerveau Limite de Joe Vitale, qui est un très, très bon livre aussi, qui va pouvoir t'aider. Il y en a plusieurs. Si tu vas sur Amazon ou sur... Si tu vas sur Amazon ou sur Google, tu vas trouver plusieurs titres. Il y a aussi beaucoup de vidéos de Ho'oponopono sur YouTube. J'en ai aussi de Ho'oponopono sur YouTube qui expliquent la technique aussi de base. Mais le Ho'oponopono, c'est quoi exactement pour les personnes qui viennent à peine de commencer dans la technique? C'est de savoir que nous sommes 100% responsables. 100% responsables de tout ce qui arrive dans nos vies. Je ne veux pas dire, quand je parle de responsabilité, je ne parle pas de culpabilité. C'est deux choses complètement différentes. Être responsable, c'est de savoir que nous sommes les créateurs de tout ce qui nous arrive et prendre la responsabilité de dire, OK, c'est vrai, c'est moi qui a créé ceci, donc moi, je vais faire face, je vais faire confiance à la vie de que si ceci s'est manifesté dans ma vie, c'est parce qu'il y a un changement, une leçon, quelque chose que je dois prendre de cela. Moi, je vois, comme je pense que je l'ai dit tout à l'heure, je vois en tout problème, tout conflit, une possibilité, une opportunité de nettoyer avec constance. Ho'oponopono, c'est un ancien art hawaïen qui se pratiquait au sein de la communauté avant, comment que ça se faisait. C'est vraiment qu'en groupe, quand il y avait un conflit, ils se réunissaient tous, ils parlaient du conflit, il y avait quelqu'un qui avait une notoriété, que ce soit un prêtre, le sage du village ou quelque chose comme ça, qui disait, ben, je veux dire, on libère tous ces conflits et on les laisse aller. C'est comme le pardon était comme ça donné et tout ça se partait. C'était la façon d'accorder, de régler les problèmes et d'accorder le pardon et la réconciliation. Morna Simeona, c'est celle qui l'a vraiment modernisé. Elle l'a mis à l'expression la plus simple qu'on connaît aujourd'hui. Où est-ce que nous n'avons pas besoin d'une autorité pour pouvoir le faire? Où est-ce que nous n'avons pas besoin d'être en groupe pour pouvoir le faire? Que si moi, je travaille le conflit, si moi je travaille le problème, qui en fait n'est pas des problèmes mais qui est des mémoires, qui est du data, qui est de la programmation en fait, qui vient de notre enfance, qui vient de l'endroit où est-ce qu'on est né, de notre culture, des parents qu'on a eus, de nos ancêtres, c'est tout ça qui joue et qui fait en sorte que la réalité qu'on vit. Donc, c'est avec, quand Morna l'a comme simplifié, la simplification, c'est vraiment de le faire avec toi et avec toi seulement. Les quatre mots, je suis désolée, merci, pardonne-moi, je t'aime. Donc, j'espère que ça répond à ta question, ma chère Fabienne. Je vais continuer à dérouler. Et là, elle dit merci pour ta réponse. Majestique, merci. Francine, merci. Donc, ça me dit, OK, je vois, merci beaucoup. Et j'ai aussi Ella ici, dit comment se connecter à son enfant intérieur. Est-ce essentiel pour nettoyer ses mémoires? La relation que nous avons avec, ça c'est Ella qui questionne, la relation que nous avons avec notre enfant intérieur, c'est une relation vraie. Est-ce qu'on pouvait se connecter avec notre enfant intérieur? Donc, qu'est-ce que je disais là, c'est que pour être en mesure de connecter avec notre enfant intérieur, que c'était super important, qu'avec du Ho'oponopono avancé, on peut aller voir cet enfant intérieur-là, c'est quoi exactement, qu'est-ce que ça représente au niveau de notre vie.
Puis, une façon de te connecter avec ton enfant intérieur, c'est vraiment comme de trouver un endroit paisible, un endroit tranquille, où est-ce que tu vas pouvoir y aller vraiment de façon à méditation. Il y a des vidéos sur YouTube de méditation guidée pour connecter avec ton enfant intérieur que je te recommande. La relation qu'on a avec notre enfant intérieur est extrêmement importante parce que c'est vraiment au niveau de notre enfance qu'on est en mesure que c'est notre enfance qui bâtit vraiment notre avenir. Puis souvent, quand on a des relations avec notre couple, des relations avec l'argent, des relations avec les autres autour, il y a beaucoup de problèmes qu'on vit dans nos vies d'adultes qui proviennent de notre enfance. Et quand on est en mesure de nous réconcilier avec cet enfant-là, c'est là qu'on a la possibilité de changer des choses dans nos vies, même des choses qu'on se dit, mais mon Dieu, tu sais, comment ça se fait que ça m'arrive? Souvent, c'est aussi la relation qu'on a eue en tant qu'enfant avec nos parents. Donc, ça a beaucoup, beaucoup d'impact par rapport à ça. Fait que c'est vraiment tu peux faire de la méditation guidée pour te reconnecter avec ton enfant intérieur et qu'il y ait une réconciliation. Qu'il y ait une réconciliation, que ton enfant intérieur sache que tu es toujours là, que tu seras toujours là en tant qu'adulte et que cet enfant-là n'a plus de responsabilité envers ce qui est arrivé et que toi, tu vas venir l'aider. C'est un processus, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain où je vais faire une méditation pour l'enfant intérieur et voilà, tout est réglé. Non. S'il y a des choses spécifiques qui sont nécessaires de travailler avec notre enfant intérieur, il y a des professionnels qui peuvent nous aider là-dedans. Puis, si vous êtes quelqu'un qui aimait ça, apprendre tout seul et que vous mangez des vidéos, de la lecture, mais c'est certain que vous allez pouvoir aussi le faire par vous-même. Mais si jamais vous sentez le besoin d'une aide quelconque, comme vous pouvez aller chercher des professionnels qui pourraient vous aider là-dedans. Donc, je vais voir encore s'il y en avait d'autres questions. Bonsoir Vincent, bonsoir Lorraine du Québec. Moi, je suis à Montréal et Betty aussi est avec nous. Ici et là, on a eu un problème de connexion, fait que ceci est le deuxième vidéo qu'on part. J'avais aussi Nicole Bellossat qui questionnait. Nicole, elle avait la question, elle disait, je commence la technique du verre d'eau pour chasser les angoisses et effacer mes mémoires négatives, mais sens beaucoup mieux depuis 2 jours. Gratitude au divin. Oui. Sincèrement, là, la technique du verre d'eau est une technique très libératrice. Puis, ce qui est vraiment le fun avec la technique du verre d'eau, c'est que vous la faites sans attendre de résultats, puis ça vous apporte beaucoup de paix. Vous prenez, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la technique du verre d'eau, mais il y a une de mes vidéos que quelqu'un a récemment partagé sur le groupe, c'est que vous pouvez prendre un verre d'eau, tu sais, ça n'a pas d'importance la longueur, il faut que ça soit un verre d'eau, un verre, oui, d'eau, puis vous allez le remplir aux 3 quarts. Déjà, en le remplissant aux 3 quarts, vous allez le mettre dans la pièce de votre choix. Laissez-vous toujours guider par votre inspiration. Laissez-vous guider par votre inspiration à l'endroit où vous allez le placer. L'eau est à changer matin et soir. S'il y a quelque chose qui surgit au courant de la journée, vous avez la possibilité de changer l'eau aussi. L'eau se jette. Vous pouvez faire avec l'eau. Vous pouvez la jeter dans le bol. Vous pouvez la jeter dans le lavabo. Vous pouvez aussi, il y a des gens qui disent oui, mais c'est du gaspillage. À ce moment-là, vous pouvez tout simplement, si vous avez des plantes à la maison, vous pouvez les mettre au niveau des plantes. Puis les gens, ils disent, ouais, mais tu sais, c'est comme toutes les mémoires négatives qui s'en vont dans l'eau. Est-ce que ça va abîmer mes plantes? Non, parce que les plantes, qu'est-ce que ça va faire? Ça va purifier. Rappelez-vous que la nature est faite parfaitement. Donc, si vous le jetez au niveau de, ou si vous arrosez vos plantes avec l'eau du verre d'eau que vous changez, mais ça va vous aider aussi pour ne pas faire du gaspillage. Donc, voilà. J'avais une question que quelqu'un avait posée sur quand que j'avais posté au niveau du live et je l'ai pris en note. Je n'ai pas le nom de la personne qui posait la question, mais ce qu'elle dit, c'est je suis en conflit avec. Puis je trouve que c'est vraiment une très bonne question. Allô, Jérôme? Jérôme, je pense que je t'ai appelé Fabrice. Quand que j'ai dit ben merci Fabrice, je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé Fabrice, mais c'est Jérôme. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de faire le live et de répondre à toutes les questions. Il dit si, transmuter l'eau avant de la jeter. Mais en fait, l'eau, elle fait la même chose que je suis désolée, merci, pardonne-moi, je t'aime. Hein, fait que l'eau, déjà en soi, elle est purifiée. Donc, c'est l'eau qui va venir nettoyer ces mémoires qui sont en nous sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Puis, il y a une autre option aussi. Vous pouvez mettre le verre d'eau tel quel et rien faire d'autre.
La divinité va se charger de tout effacer ce qui est nécessaire. Pas ce que nous, on veut. Pas ce que notre ego, il veut, mais c'est que ce qui est prêt à partir de, nos vies. Puis vous pouvez aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez simplement écrire sur un bout de papier les choses que vous voulez pour qu'est-ce que votre ego y pense, ce qu'il veut. Un exemple, un meilleur emploi, ou vous pouvez aussi écrire, moi ce que je fais, c'est que je me fais une liste de choses que je veux accomplir dans ma vie, ou des objectifs que j'ai, ou des changements que je veux voir. Je vais les mettre en dessous du verre d'eau, puis oui, je les laisse là le temps que ce soit nécessaire. Les gens vont souvent me poser la question, mais Jasmina, combien de temps est-ce que je dois laisser le papier en dessous du verre d'eau? Autant de temps que ce soit nécessaire. Moi, là, des fois, qu'est-ce que je fais? C'est que une fois par mois, je vais regarder quels sont mes mots, mes écrits qui sont en dessous du verre d'eau et je me rencontre. Surprise! Ceci que j'avais écrit est déjà résolu. Fait que je prends mon petit papier, je le déchire et je le jette. Donc, il n'y a pas vraiment de temps, de laps de temps à laquelle vous devez laisser pour que ça s'accomplisse. C'est vraiment le laisser là, lâcher prise, faire confiance et revenir voir quelques temps après. Oh mon Dieu, le problème est résolu. Fait que c'est surtout le Ho'oponopono travaille beaucoup sur le lâcher prise et faire confiance. La question que j'avais sur un commentaire, c'était « Je suis en conflit avec une personne que j'aime beaucoup. Je ne sais plus comment faire pour qu'elle revienne à des meilleurs sentiments, même en répétant la formule « Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci, je fais cela depuis un mois et rien. » Qu'est-ce qui est important ici? C'est savoir quelles sont tes attentes quand tu fais le Ho'oponopono. Quand tu dis « Je suis désolée, merci, pardonne-moi », que tu le fais en pensant à cette personne-là, quelles sont les attentes que tu as? Parce que déjà, en ayant des attentes, tu es en attente d'un résultat. Et Ho'oponopono, rappelons-nous, ne fonctionne pas en question des résultats que l'on veut, mais de qu'est-ce que la divinité a à nous offrir. Donc, souvent, un conflit avec quelqu'un d'autre prévu, tu dois te dire, OK, qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait en sorte que je sois en conflit avec cette personne-là? Et faire de la rétrospection, parce que le problème n'est jamais ailleurs. Le problème, il est toujours en nous. C'est nous qui l'avons créé et seulement nous avons le pouvoir de le changer. J'ai une vidéo sur YouTube, justement, de quelqu'un que j'avais interviewé. Et je vais vous donner qu'est-ce qu'elle a utilisé pour améliorer la relation avec cette personne. Rappelez-vous, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous n'avez même pas besoin de dire à cette personne-là, « Ah, mais je suis en train de faire du Ho'oponopono pour que notre relation aille mieux. » Non, parce que du moment où ça s'efface en toi, ça va s'effacer partout, partout, partout ailleurs. Partout ailleurs, OK? C'est ça qui est magique et c'est ça qui est le fun. Donc, il y a, puis je vais le dire très lentement, je vais vous donner peut-être le temps, deux petites minutes, pour vous chercher un crayon et un papier, pour que vous puissiez noter ce que vous pouvez faire pendant 21 jours de temps pour améliorer des relations avec une personne XY. Puis c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup, moi, aidé au niveau d'un problème de santé qui a surgi dans ma vie comme ça, tout d'un coup. Et je me suis mis à répéter ces mots-là à toutes les heures. Toutes les heures. Je me suis fait une photo avec l'écrit. Et j'avais une alarme et à toutes les heures, je répétais exactement la même chose au bout de 5 jours. Ce qui a surgi de manière instantanée au niveau de ma santé a disparu de la même façon. Puis, vous allez trouver ça aussi dans le livre de Zero Limit de Joe Vitale. C'est là-dedans aussi. Puis, c'est quoi la phrase, si l'on veut? C'est « Je suis désolée pour tous ces mémoires erronées qui sont en moi et qui ont créé ceci. » Celle-là, c'est la version short, courte. « Je suis désolée pour tous ces mémoires erronées qui sont en moi, qui ont causé ceci. » Une plus longue, c'est « Je suis désolée pour ces mémoires erronées, inconscientes, qui sont en moi, qui créent ma réalité aujourd'hui. Divinité, efface de moi, de mes ancêtres, de ma famille, toute chaîne qui m'emprisonne avec des relations
pas saine. Vous pouvez l'adapter, hein? Vous pouvez l'adapter à vous-même. C'est que moi, je dis souvent, puis même le docteur Hiala Kalalu lui le dit, tout ce qui provient d'inspiration divine, vous pouvez le faire. Laissez-vous guider par l'inspiration. Mais oui, Jasmina, mais comment je sais que c'est l'inspiration ou c'est des mémoires qui surgissent puis que c'est mon ego qui l'emporte? On ne sait pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est quand que ça surgit, je suis désolée, merci, pardonne-moi, je t'aime. Nettoyez, nettoyez, nettoyez. Mais souvent, quand que, tu vois, je viens de vous donner la base, mais vous pouvez ajouter tout ce qui vous sort du corps, mais du cœur. Ça, c'est mon espagnol là, qui fait de le corps, le cœur. voilà, j'espère que ça l'a répondu à la question. Donc, pendant 21 jours, c'est ça. Si vous avez un conflit avec quelqu'un, encore une fois, pour travailler sur vous, pas pour que la personne revienne dans votre vie, parce que ça se peut que l'objectif, c'est que cette personne-là ne revienne pas dans votre vie parce qu'elle est nuisible à ce que vous avez à atteindre ou à ce que vous avez à vivre au niveau de votre cheminement. Donc, on le fait, pas pour que la personne revienne, pas pour le retenir, mais tout simplement pour retrouver la paix, la joie et l'harmonie dans nos vies. Que cette personne-là soit là ou pas, que le conflit soit là ou pas, de retrouver la paix, le calme et la tranquillité. Donc, je suis désolée pour ces mémoires erronées qui sont en moi, qui ont créé cette réalité, qui ont créé ceci, qui ont créé ces mémoires. Et vous pouvez toujours le finir par le « Merci, pardonne-moi, je t'aime ». Je suis désolée pour toutes ces mémoires qui sont ancrées en moi, qui sont erronées et qui ont créé cette réalité. Merci, pardonne-moi, je t'aime. Comme je vous dis, vous pouvez l'adapter d'un moment à l'autre, mais pendant 21 jours consécutifs, vous pouvez le faire et vous allez voir, vous m'en donnerez des nouvelles au niveau des résultats. Et ceci, ce n'est pas juste pour des conflits. Hein. Ceci est vraiment pour toute chose que vous avez besoin de vivre ce changement ou de sentir cette paix et tranquillité en rapport à quelque chose qui se manifeste dans votre vie avec laquelle vous n'êtes pas heureux. Si vous faites de l'anxiété, du stress et toutes ces choses-là, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et le faire plus qu'une fois par jour, le lire, comme moi je le faisais vraiment à toutes les heures, mon alarme sonnait et je lisais le message. À un moment donné, ben, je l'apprenais, je l'ai appris par cœur. Puis je le disais tout simplement à chaque fois que mon alarme sonnait, mais je savais que j'arrêtais tout ce que je devais faire et je répétais ma phrase. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, d'autres questions, je vais voir. Je suis là pour répondre à vos questions. Profitez-en, il nous reste 10 minutes, puisqu'on avait une vidéo auparavant qui a coupé, l'Internet a complètement, qui est encore coupé. Là, je suis avec le téléphone, j'ai regardé qu'est-ce qui se passe avec le modem. Donc, pour continuer à répondre à vos questions, fait que je suis là pour vous. On a 10 minutes, profitez-en! Au départ, j'avais mis la chanson de Ho'oponopono, qui est une très, très belle chanson qui apporte tellement de paix, de tranquillité. C'est une chanson que j'adore. Je pense que je l'ai mis dans le live précédent qui a coupé. Je vais vous le mettre aussi dans celui-ci. Je vais aller chercher... Rappelez-vous, hein, je suis là pour vous. S'il n'y a pas de questions, on va finaliser le live. J'aimerais aussi que vous puissiez laisser des commentaires. Il y a des personnes peut-être qui vont voir la vidéo plus tard. Laissez des commentaires si ça a vraiment été de bonnes contributions pour vous. Les vidéos, si vous avez aimé, si c'est quelque chose... qu'on pourrait peut-être faire aussi une fois de temps en temps sur le groupe, tu sais, répondre à des questions et tout ça. Puis, rappelez-vous, je vous l'ai dit sur la première vidéo, je vous le répète sur celui-ci, il y a de l'information sur le groupe même. Si vous allez sur le groupe, dans la section des fichiers, il y a des livres que vous pouvez télécharger, il y a des informations que vous pouvez avoir sur le Ho'oponopono. Sab, tu demandes pourquoi 21 jours? Ça prend 21 jours dans n'importe quoi que tu fais. Ça prend 21 jours pour changer une habitude. C'est pour ça le 21 jours. Dans n'importe quoi. Si tu veux faire du sport, ça prend 21 jours pour que ton corps s'habitue, pour que ton corps, que ça devienne une habitude, tout simplement.
Lorraine a dit merci, je pratique plusieurs fois par jour et tous les jours. Je te dirais, pour moi, Lorraine, c'est devenu mon style de vie. Je veux dire, je le fais même sans m'en rendre compte. Puis oui, c'est quelque chose que j'ai partagé avec mes enfants, aux autres aussi, quand ils sont dans des moments où est-ce qu'ils sentent le besoin, ils vont le faire. Ils ne le font pas tout le temps, mais je sais que c'est quelque chose que, quand ils sentent le besoin, ils vont tout simplement le faire. Là, je suis désolée, merci, pardonne-moi, je t'aime. Aux autres, par contre, ils boivent l'eau solarisée. À la maison, c'est ce qu'on consomme. On consomme l'eau solarisée. Je n'achète pas des bouteilles d'eau, c'est vraiment l'eau solarisée que je mets au soleil. Du soleil, elle s'en va dans différents récipients. Puis oui, c'est ça que nous autres, on consomme à la maison. Betty a dit, je vous écoute avec attention et vous remercie de tous vos conseils. Ça me fait plaisir, Betty, vraiment que moi, ça me remplit le cœur de pouvoir être une contribution et de pouvoir partager ici mes connaissances avec vous. Sab a dit, merci pour vos conseils. C'est super de partager, ça me fait plaisir. Beautiful Queen, salut, elle dit bonsoir DS, merci. Merci de nous répéter la phrase pour la fin du live. Donc, la phrase, c'est « Je suis désolée pour tous ces mémoires. » Jérôme, excuse-moi, je lis en même temps. Jérôme, il dit « La base du 21 jours est à la base liée au cycle lunaire. » Merci beaucoup, Jérôme, pour la précision. Je suis désolée pour ces mémoires erronées qui sont ancrées en moi et qui créent ma réalité. Merci, pardonne-moi, je t'aime. Donc, il y a aussi « Comment faut-il accueillir la colère? » On se dit de l'accepter, mais je n'y arrive pas. C'est quand tu dis déjà en partant que tu n'y arrives pas, tu es déjà en train de créer en toi une négation qui fait en sorte que même si tu voudrais y arriver, ton subconscient est en train de créer tout le nécessaire pour pas que tu y arrives parce que toi, tu y crois fortement au fait que tu n'y arriveras pas. Je sais que tu avais posé la question sur le groupe aussi au niveau de la colère. Je te dirais, oui, accepter que nous sommes pas, que nos mémoires font de nous des êtres non parfaits. C'est d'aller chercher aussi, Betty, cette colère, elle provient d'où? Parce que souvent, nous autres, on va se concentrer, oui, au moment présent, mais là, je suis en colère parce que telle personne m'a dit tel mot que je n'ai pas vraiment aimé. Mais souvent, ça ne vient même pas du moment présent. C'est quelque chose, tu sais, quand on a, dans l'ancien temps, quand on avait des cassettes, tu sais, que tu cliques sur le bouton play, ou même maintenant, quand que tu veux écouter, que tu cliques sur ton téléphone sous play, puis que ça va reproduire la chanson que tu veux. Mais c'est exactement ça. Quand il y a des moments comme ça que tu vis, c'est vraiment une touche qui est touchée au niveau de tes mémoires qui font en sorte que tu vas être en colère. Mais c'est là où est-ce qu'il faut aller chercher beaucoup plus loin, au niveau de notre enfance, au niveau de nos ancêtres, faire cette régression pour savoir qu'est-ce qui fait en sorte que je sois en colère. Qu'est-ce qui fait en sorte que je expérimente la colère et que la colère se matérialise dans ma vie? Donc, c'est vraiment d'aller chercher un peu plus en profondeur ce qui cause la colère, mais pas ce qui cause la colère au moment présent, sinon quelle est cette mémoire qui vient jouer pour que ce qui se manifeste au moment présent te procure de la colère. J'espère que ça l'a peut-être pas nécessairement répondu à ta question, mais juste le fait de savoir qu'il faut peut-être aller un peu plus loin que le moment présent ou ce qui te procure la colère au moment où est-ce que ça arrive. J'ai Sylvie Colibri. Ouh, Colibri, tu sais que Colibri, Sylvie, j'imagine que, je ne sais pas si c'est vraiment ton nom de famille ou si c'est Colibri pour le mot déclencheur de Ho'oponopono, pour l'abondance, les opportunités, l'argent. Fait que Sylvie, elle dit, très beau partage, je l'applique régulièrement et informe mes amis qui en ont besoin. Ça, il y a quelque chose de super important, OK, que je vais partager avec vous. Souvent, nous, on a tendance à vouloir aider tout le monde et vouloir lui dire, « Ah, ben moi, je fais le Ho'oponopono, je suis sûre que Ho'oponopono, c'est bon pour toi. » Et ça, c'est simplement l'ego qui parle. OK? Fait que le docteur Hialakala va souvent dire, quand tu partages le Ho'oponopono, fais attention. Parce que du moment que tu le partages, je vous dis, moi, ça fait quand même 8 ans que je le fais, j'ai été chercher ma certification et tout, donc je peux l'enseigner et tout ça. Mais il faut faire attention. Pourquoi? Parce que
tant que nous autres, on va interagir puis qu'on va le proposer à des gens, mais fais Ho'oponopono, je suis sûre que ça va être bon pour toi. C'est vraiment notre ego qui parle. Des fois, oui, ça peut être l'inspiration divine qui te dit, ben, cette personne-là va lui partager, mais pas nécessairement de lui dire quoi faire. Ce qu'on peut faire, c'est lui dire, regarde, il y a une super bonne technique que moi je fais, qui pourrait peut-être t'aider, fais tes recherches, mais ne pas comme, je ne veux pas utiliser le mot obligé, mais ne pas étiqueter, mettre une étiquette sur le fait de que tu as tel problème, tu devrais pratiquer le Ho'oponopono. Parce qu'il y a quelque chose qu'il y a beaucoup de gens ne savent pas, c'est que du moment, puis c'est là que les gens ils disent, ouais, mais ça ne marche pas. Du moment que tu commences à pratiquer le Ho'oponopono, il y a beaucoup de choses qui vont surgir. Parce que tu es en train de donner la permission à la divinité de venir effacer des choses. Et pour pouvoir effacer des choses, ces choses-là doivent se manifester. Les gens me disent, ouais, Jasmina, j'ai commencé à pratiquer le Ho'oponopono, mais depuis que je le pratique, je n'ai que des conflits, je n'ai que des problèmes, les choses vont pire qu'avant. Puis moi, je dis, mais c'est super! C'est super, pourquoi? Parce que ce sont des mémoires qui sont en train de faire surface pour que tu puisses te conscientiser sur cela et que tu puisses les effacer. Et on se rappelle, je l'ai dit sur la première vidéo, c'est pas nous qui effaçons. Est-ce qu'on sait ce qu'on efface? On ne le sait pas. Seule la divinité sait ce qui est bon pour nous. Nous, c'est notre ego des fois qui va nous parler, qui va nous dire quoi faire, qui va nous dire que telle chose devrait être de telle façon ou de telle autre et qui va vouloir des résultats. Le lâcher prise, c'est vraiment ça. C'est de se dire, OK, c'est en train d'arriver ça dans ma vie. Je lâche prise, je suis désolée, merci, pardonne-moi, je t'aime. Et tu demandes à ce moment-là, quand tu fais, ça aussi c'est un autre point important, c'est que quand on dit lâcher prise et ne pas attendre des résultats, c'est tout simplement de dire à la divinité, envoie-moi ce qui est le meilleur pour moi. OK? Fait que quand on dit « je suis désolée, merci, pardonne-moi, je t'aime », c'est quoi l'objectif dans tout ça? C'est qu'on revienne à notre état zéro, à notre état naturel, à notre état de où est-ce que rien n'existe, mais tout s'écrit. Donc, quand on dit « je suis désolée, merci, pardonne-moi, je t'aime », là, je m'en vais un peu vers l'avancée, c'est que tu reconnectes, tu deviens rien du tout, le zéro. Donc, comme dans « zéro limite », c'est vraiment de revenir à la source. Où est-ce que rien n'existe, mais tout s'écrit. Puis quand tu es à zéro, OK, ma belle Kat aussi, elle parle de ça, c'est quand tu es à zéro, c'est là que surgit l'inspiration divine pour que tu puisses trouver la solution et que tu puisses recevoir l'inspiration pour pouvoir résoudre tes problèmes. Tu vois, souvent, quand que moi, il y a quelque chose qui surgit, je vais dire, je suis désolée, merci, pardonne-moi, je t'aime, je vais le répéter, je vais le répéter, je vais le répéter, après je lâche prise, je me mets à faire d'autres choses, et pouf, tout d'un coup, je viens d'avoir la réponse pour pouvoir résoudre ce que j'étais en train de penser plus tôt. Donc, c'est vraiment ça, c'est revenir à la source, revenir à ces zéros, où est-ce qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de pensée, il n'y a rien, il n'y a rien qui existe, mais c'est de là que surgit cette inspiration qui va nous aider à résoudre les problèmes. Et ça vient de qui? Ça vient de la divinité, de l'univers, de Dieu, de peu importe quelles soient vos croyances. Donc, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu, que vous avez aimé. Je vais peut-être le mettre aussi sur ma page YouTube, mais il va être ici, il va rester sur le groupe, donc les gens vont pouvoir le consulter, si vous voulez le partager aussi avec les personnes autour de vous. C'est quand même, je trouve que c'est une vidéo avec beaucoup de contenu intéressant pour les gens qui commencent, ou les gens qui font du Ho'oponopono depuis longtemps. Des fois, c'est le fun de se faire rappeler les bases de la technique. Donc, j'espère sincèrement que ceci a été une contribution pour vous, que ça continuera à le faire. Et pour moi, c'est avec le cœur rempli de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour que j'ai fait ce partage avec vous, parce que ma mission dans la vie, c'est vraiment de propager le bonheur infini. Et ma définition du bonheur infini, je vais vous laisser avec ça. Le bonheur infini, pour moi, ne veut pas dire d'être heureux 24 heures sur 24, mais c'est de vous connecter jour après jour avec chaque instant de bonheur que vous vivez. Et quand vous avez un moment de faiblesse, de tristesse, un moment où rien ne va plus, allez puiser cet amour, cette énergie, ce bonheur dans cet instant de bonheur que vous avez vécu.
C'est pour ça, pour moi, c'est ça le bonheur infini. Le câlin d'un enfant, le bisou de la personne que t'aimes, un mot gentil de quelqu'un que tu croises dans la rue ou la première gorgée de café le matin. C'est ça pour moi le bonheur infini. Pour vous, c'est quoi le bonheur infini? Accrochez-vous à ce petit instant de bonheur et faites-le que ça soit disponible à tout jamais. C'était Jasmina Capellan avec vous. À bientôt!